assimilation, ça ne pourra rien te faire. Nous périssons parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils n'avaient pas confiance. Il y a celui qui a confiance de toi et confiance en ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui a fait que tu es sur la terre. Et il faut que tu aies confiance en lui. Alléluia, verset. Il est dit. Waouh. Pourquoi avez-vous peur? J'en ai peu de foi. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Azori, ma consente à la bébé. Zouti, dit maman, ma natori, ma sédi, le dos. Ce que je t'ai dit, ça va s'accomplir dans ta vie. Pourquoi ton cœur bat de temps en temps? Boum. Pourquoi ton cœur tremble de temps en temps? Est-ce que? Il me chante de ce matin pour te dire, sois rassuré. Sois rassuré. Faut pas que tu aies peur. Faut pas que ton cœur bouge. Sois rassuré. Parce qu'il est vivant. Sois rassuré. Parce qu'il est l'éternel des armées. Sois rassuré. Parce qu'il ne manque pas. Verset 26. C'est ça? Alors il se leva. Waouh. Menaça les vents et la mer. Et il eut un grand calme. Jésus s'est levé plus haut. Le méchant écrasé plus bas, bas, bas. Non! Jésus s'est levé plus haut. Le méchant écrasé plus bas, bas, bas. Alléluia! Il s'est levé, il a ouvert la bouche, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, Dieu te dit, il faut que tu aies confiance en ton Dieu. Alléluia! Parce que c'est sa voix que tu as entendue. Il faut que tu aies confiance en ton Dieu. Parce que si tu n'as pas confiance, tu vas toujours te promener. Le regard inquiet. Est-ce que Sabino, tu vas me donner 1000 francs? Est-ce que tu vas me faire ceci? Est-ce que mon grand frère va me donner du pain? Est-ce qu'il va me donner quelque chose à vos bouchons? Oh, en train de réfléchir, en train de se lamenter, en train de se promener le regard inquiet. Qui va faire cela? Qui va faire? Dieu fera ça pour toi. Alléluia. Le Dieu, ton Créateur, fera ça pour toi. Il est ton Créateur. Il est ton Papa. Un grand calme. Alléluia. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Et la mer. Alléluia. On ne peut pas acclamer, mais on attend doucement. Alléluia. Dieu va faire de toi un grand évangéliste. Même si tu n'es pas évangéliste, Dieu va faire de toi, c'est-à-dire des témoignages qui vont multiplier sur tes lèvres. Ça va être des personnes, quand tu rends le témoignage tout de suite là, oh, 1000 personnes se donnent à Jésus. Parce qu'ils vont maintenant avoir confiance. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, on revient là-dessus, verset 27. Hein? 27. 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Hé! Hey! Quel est celui-ci, vous êtes-il? À qui obéissent même les vents et la mer. Alléluia. Quel que soit le vent, il faut parler sur la situation. Il a parlé sur la mer. Il t'a donné ce pouvoir-là. Alléluia, tu ne sais pas. Tu es un petit Dieu. Il t'a donné ce pouvoir, mais toi, tu joues avec ça. Toi, tu penses que c'est nous qui pouvons parler pour toi. Toi, tu peux parler pour toi aussi. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Alléluia. Ils ont commencé à avoir peur. Quel est ce homme? Même le vent s'arrête, mais il t'a donné ce pouvoir d'arracher et de planter. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir, Dieu nous a donné le pouvoir, mais nous on joue avec ça. Et puis on pense que ce sont les pasteurs, ce sont les servants de Dieu qui sont... Non, toi tu as ça en toi, mais tu ne crois pas. C'est parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne sais même pas que ça, cette parole aussi est en toi. C'est pour ça que tu joues. Il ne faut plus jouer. Alléluia. On va aller là. Somme 37.